nous gagnons une extension de 19 millions de dollars qui fait et en tout un investissement de 35 millions de dollars dans l'hôtel Caribé. 35 millions de dollars, c'est un paquet d'affaires pour le pays, c'est un paquet d'affaires pour l'industrie touristique là et c'est un paquet d'affaires tout pour l'investissement que nous avons cherché à attirer dans le pays. Parce que c'est tout bail qui marche ensemble. Investissement marche ensemble avec capacité d'accueil, qui marche ensemble avec sécurité, qui marche ensemble avec courant, qui marche ensemble avec une atmosphère de changement dans le pays. Une atmosphère que bail a bougé, une atmosphère nocturne tout, côté que moun sorti et moun kap enjoy yo dans le pays à la nuit. Et bien, je vous dis, nous là pour nous inaugurer l'extension ça qui fait, nouvelle elle qui fait dans l'hôtel Caribéa. Et c'est un gros bravo que le gouvernement est capable de faire buto pour la confiance que vous faites dans le futur pays, côté direction que le pays prend. Pendant qu'un pile moun a parlé en pile dans la radio, et bien vous même y a investi dans le pays. L'hôtel ça a fait avec plus que 100 ouvriers haïtiens et des firmes uniquement haïtiennes, avec un or haïtien, avec des pièces de 1950 enfin, qui sorti avec un historique, avec une culture riche. Et bien, c'est ça qu'a fait là, ce là. Donc, nous avons un ministre touriste, là, un magistrat et Pétionville là. Ensemble, nous battons un gros bravo pour l'effort fait là. Et nous encourager plus d'efforts faits comme ça dans le pays et dans différents secteurs. Nombre de chambres hôtel ça, qui est 103 aujourd'hui en total. Pour investissement ça qui s'extension hein, li vin ajouter à parc hôtelier métropole là. Et là qu'on y a nous à peu près à 2350 chambres. Donc qui si chambre dit arrivé touriste, qui dit arrivé touriste dit moun qui pral déplacer, qui pral dans restaurant, qui pral visiter pays hein. Et c'est ça que nous voulons faire, c'est faire promotion pays hein, à travers belle infrastructure hôtel ça yo. Vle dit tout que t'es lancé en classification l'hôtel et Caribé t'es joine 5 hibiscus. Il joue un hibiscus parce que l'investit dans bon genre infrastructure et parce que là-bas est bon genre service. Et c'est ça que nous voulons montrer aujourd'hui hein, que Haïti est un bel pays, que le de monde qui bien investi et que là nous venons en Haïti nous avons un bon service. Parce que l'y ouvre en bonne période, nous à la veille des fêtes de Noël, nous à la veille de grands moments côté toute diaspora tourne dans le pays. Donc déjà nous avons dit diaspora, bienvenue la Kainou et bienvenue Hôtel Caribé. C'est que ça fait plus de 84 ans que famille la donne. C'est dans l'hôtellerie. Et grand-père a commencé la donne, c'était première génération. Papa m'a deuxième. Moi-même, moi, c'est troisième et aujourd'hui, là, nous avons quatrième génération. C'est lui-même qui ban nous tout ça que nous gagnons là aujourd'hui. Et le message que nous avons gagné, c'est un message de remerciement. D'abord, à parents nous qui t'ont introduit nous, qui t'ont montré nous le droit chemin dans l'honnêteté et le travail et le sacrifice. Deuxième remerciement, c'est pour tous les clients nous, qui supportaient la famille Buto pendant près de 84 ans dans ce secteur. Et troisième message, vraiment, mon équipe d'ouvriers haïtiens qui avait depuis le début de travaux Caribé en 1999, qui réalisait sa nouvelle aujourd'hui, ils méritent un bel applaudissement. Et ensuite, tout gouvernement qui encourageait le secteur touriste. C'est la première fois, moi-même, depuis mon travail, que je viens au gouvernement qui prend le tourisme et qui botte dans l'air et qui encourage le secteur privé, lui-même investir dans le secteur à tout. Donc c'est pour ça que moi-même, le message PAM, c'est un grand merci à tout ça qui donne nous courage, parce que ce n'est pas un travail qui est facile, mais si nous n'avons pas tout encouragement, tout le monde qui était avec nous, qui était derrière nous, nous n'avons pas réalisé ça aujourd'hui. Donc moi, je dis grand merci au grand public, à tout le monde. Bon, c'est un investissement qui est très élevé et je suis bien content d'oublier la banque tout, parce que la banque a aidé nous en pile dans le financement. Bon, je dis en l'âme gardée que nous devons 25 millions de dollars à la banque. Donc, c'est un travail dur ou c'est pour nous payer d'être ça. Et je suis sûr qu'avec l'effort que tout le monde a mis pour payer aller devant et que nous avons réussi et que nous allons continuer à investir toujours dans le secteur touristique parce que nous croyons que ce secteur qui est capable d'aider les pays, hein, ce secteur qui a créé des jobs dans une zone qui est plus démunie, ce secteur qui a valorisé l'agriculture, ce secteur qui a valorisé le secteur construction, ce secteur qui a valorisé plusieurs autres entrants, concours patrimoine historique, concours patrimoine national,
Donc, il y a un pile de secteur transversal qui va bénéficier de tourisme. Donc, je demande au poté collé pour que tout le monde accompagne le secteur tourisme. Parce que c'est un secteur qui a porté un pile d'espoir pour le pays. Hein. Et c'est pour ça que nous-mêmes, nous avons bataillé là-dedans, nous avons boumé là-dedans et je crois que nous avons réussi avec le gouvernement. Ça. On a inauguré la deuxième partie ça et pour la période des fêtes, parce que je ne pas douter que et le rooftop, côté n'a inauguré à Soya, sera très actif. Moi, j'ai une bonne communication et collaboration avec le commissaire Pétionville, qui déjà chitane dans la mairie pour assurer que pour la période des fêtes, que tout justement investissement ça y est. Et puis pour Haïtiens qui sont l'autre bord, pour qu'ils viennent enjoy, la caille, pour qu'ils sentent en paix. Alors, travail nous-mêmes, la mairie, c'est assurer nous que nous protéger, pas seulement investissement, mais que nous protéger citoyens nous pour nous bailler en sécurité, en assurance. Et puis pour ça, nous avons demandé tout le monde collaborer, nous avons demandé tout concitoyen faire de voir paillot pour aider la mairie à assurer assainissement, sécurité et tout ça que la mairie gagne pour le servir, pour l'offrir à citoyens.